Salut à toutes et à tous, Noël vient de passer, vous avez peut-être reçu un jeu vidéo du Papa Noël. Y'a rien de pire dans le monde vidéoludique que d'acheter un nouveau jeu à 60€ et de se retrouver extrêmement déçu de l'avoir acheté. On a envie de crier sa rage contre le monde entier, que le marketing nous a bien eu, les éditeurs et les développeurs m'ont fait les yeux doux, les responsables du marketing m'ont pris un petit peu pour un con, et que plus jamais on m'y reprendra à me faire avoir de la sorte, et pourtant on y croit quand même à leur belle promesse, que le jeu est le meilleur de tous les temps, que c'est le plus beau, on en entend parler tous les jours, Cyprien Gaming vient d'en faire une vidéo sponsorisée, jeuxvideo.com vient d'en faire le test un jour avant la sortie du jeu, bref, ces jeux ce sont ceux qui nous ont été hypés un peu trop fort, car des gens ont été payés grassement pour le faire, et qu'en fait, bah, le jeu est loin d'être bon, il ne révolutionne que dalle et on s'est fait arnaquer, c'est le top 10 des jeux trop hypés et qui sont pourris en fait. Numéro 10. On commence par une exception, enfin du moins un jeu qui ne sortira sans doute jamais. Il s'agit de StarCraft Ghost. Issu de la licence de StarCraft, ce jeu de stratégie en temps réel, Blizzard avait décidé de produire un shooter en vue à la troisième personne histoire de changer de gameplay. Le projet est confié à Nihilistic Software en 2002 pour les consoles GameCube, Xbox et PlayStation 2. Le projet est maintes fois reporté puis confié à Swinging App Studios, l'année suivante racheté par Blizzard, qui en parle régulièrement dans des conférences. Tout le monde croit au jeu et à sa sortie. 2005, 2006, les cinématiques sortent régulièrement annonçant campagne solo, multi, nouveau matériel, nouveau logiciel, bande-annonce. Malgré la persévérance de croire à ce projet, le jeu StarCraft Ghost, après avoir longuement fait parler de lui, sera finalement annulé. En tout cas, le jeu est passé un petit peu à la trappe, Blizzard n'en parle même plus. Numéro 9. Autre arnaque couramment utilisée par les constructeurs de consoles, elle se déroule lors des grandes conférences comme l'E3. L'E3 2005 est un grand événement pour Sony. Déjà, ils doivent présenter leur nouvelle console, la PS3, et montrent ainsi de nombreux trailers de jeux époustouflants. Celui de Killzone 2 marquera les esprits et sèmera la confusion auprès du public entre savoir si le trailer était des images du jeu en temps réel ou bien s'il s'agissait d'un trailer en CG, computer generated, c'est-à-dire créé par ordinateur. Phil Harrison jura lors d'une interview la vie de sa mère qu'il s'agissait d'images en temps réel. On apprendra plus tard que c'était faux. Le jeu final ne ressemblait plus au trailer présenté lors de cette E3, une arnaque visuelle que l'on retrouve à chaque grande conférence, Killzone 2 n'est en fait qu'un exemple. Numéro 8. On tape sur Sony, mais on peut aussi bien taper sur Microsoft. Après le succès de Halo Combat Evolve, Bungie décide de développer une suite, Halo 2, où l'on suit Master Chief et Arbiter, et qui rajoute un mode multijoueur par rapport à son prédécesseur. On savait aussi que le jeu serait mieux graphiquement, seulement voilà, à sa sortie en 2004 sur la Xbox, les joueurs sont plutôt étonnés de voir que les graphismes ont été revus à la baisse par rapport au trailer montré à l'E3. Peu importe, Halo 2 est un énorme succès, un des plus joués sur les Xbox Live et le plus vendu sur la Xbox, plus de 6 millions d'exemplaires, ce qui pousse Bungie à produire un troisième opus. On voit bien que la déception n'empêche pas l'achat, beaucoup de joueurs ne jurent que par les graphismes, donc un deuxième opus est forcément mieux graphiquement que son premier opus sorti 3 ans ou 4 ans plus tôt. Halo 2 n'est en fait qu'un exemple. Numéro 7. Une des plus grosses arnaques vidéoludiques fut Aliens Colonial Marines. Les graphismes furent catastrophiques, indignes pour 2013, l'éditeur Sega nous avait habitués à mieux que ça. En plus, le mode multijoueur était assez pauvre, une intelligence artificielle très stupide, un gameplay fragile et des effets sonores lamentables. Les joueurs auraient presque pu lancer des poursuites judiciaires contre Sega, puisqu'avant sa sortie, les trailers montraient clairement des graphismes de meilleure qualité, une belle arnaque. Gearbox, le développeur, et Sega, l'éditeur, se renvoyèrent la balle pour savoir qui avait le plus fauté dans cette histoire. Numéro 6. À sa sortie en 2009, Tony Hawk Ride avait été présenté comme une révolution dans l'interaction, avec la mise en vente d'une planche de skateboard dotée de capteurs infrarouges pour faire ressentir au maximum les vraies sensations de skater. Échec total finalement, le jeu sera sans doute le pire de la série, y compris à cause de son manque de fluidité et de ses graphismes peu jolis, bref un jeu injouable. Début octobre 2015, Tony Hawk Pro Skater 5 est sorti sur console Next Gen, et là apparemment le jeu s'est un petit peu fait détruire par la critique, 32 sur 100 sur Metacritic pour la version PlayStation 4. En cause, l'émission trop simpliste, nombreux problèmes techniques, environnement fade, des bugs, des glitches. Le magazine Edge résumera ainsi, une insulte pour l'histoire de la licence, les sponsors, les skaters, les consoles modernes et tous ceux qui y joueront. Bref, sans doute le pire jeu de l'année 2015. Numéro 5.
Peter Molineux est ultra connu pour les amateurs de God Game et pour ses fameuses promesses, surtout concernant la série Fable et principalement Fable 3. Avec un impressionnant casting dans le doublage, on aurait pensé que l'histoire serait mémorable. Alors déjà, le moteur de jeu était celui de Fable 2, qui a plutôt mal vieilli avec des textures bien moches dans un univers bien plus sombre que les précédents épisodes et plongeant dans la facilité sans aucun challenge. Une diminution importante d'objets, d'armes et de vêtements, le fait de devoir absolument faire des échanges avec d'autres joueurs Xbox Live pour pouvoir avoir toutes les armes du jeu, sans doute donc un jeu sorti un peu trop prématurément. Numéro 4. Quand Evolve est sorti début 2015, le jeu promettait du lourd, le meilleur jeu multijoueur de l'année. Le but du jeu serait de jouer à 4 en coopération pour tuer un gros monstre joué lui par un cinquième joueur. Alors le concept est plutôt original, soit on joue les chasseurs parmi 4 classes, soit on joue la proie et on se fait traquer par les autres. Malheureusement, les cartes du jeu se sont révélées assez fades et assez vides et sans réel travail de level design. Le gameplay trop simpliste s'est vu qualifié aussi de fade, voire de très fade. Bien que le lancement a été assez important, la base de joueurs a vite déserté le jeu et il a explosé en plein vol. Malgré quelques efforts de la part de Turtle Rock Studios, les développeurs, les joueurs sont vite passés à autre chose et Evolve est tombé dans les abîmes du jeu vidéo. Numéro 3. Les développeurs et éditeurs reconnaissent que le début d'année est une période assez vide au niveau vidéoludique, on verra bien cette année. En février 2015, The Order 1886 devait combler ce vide. Prenant place dans l'Angleterre victorienne avec des éléments de steampunk, le jeu fut hypé et on s'attendait à du phénoménal. Seulement voilà, à sa sortie, le jeu sera pas mal critiqué à cause de son gameplay déjà vu. Pas de grosse surprise pour ce shooter avec beaucoup de QTE. Beaucoup ont été surpris aussi de la durée de vie qui était plutôt courte, remettant sur le tapis quelle devait être une durée de vie d'un jeu pour ne pas être critiqué. Et d'autant plus que, aussi court soit-il, le jeu était truffé de cinématiques, alors certes très bien réalisé, mais qui ne rattrapera pas le tout, seule la qualité des graphismes sera saluée. Numéro 2. Watch Dogs devait être le jeu de l'année 2014, il a les meilleurs graphismes, un monde très immersif, des pouvoirs de hacker incroyables, en gros on allait hacker tout et n'importe quoi dans un délire total. Tout ça, c'est ce que nous promettaient les trailers qui circulaient depuis 2 ans. Quelle ne fut pas la déception des joueurs après leur achat, des graphismes revus à la baisse, dignes de la génération de consoles précédentes, et un open world finalement souvent linéaire dans les missions, et un héros Aiden au charisme tout simplement ennuyeux. Pour le marketing dans les jeux vidéo, l'important c'est Day One, voire la première semaine. Il faut vendre un max la première semaine avant que les gens se rendent compte que le jeu est nul et qu'on les a arnaqués. Il y a tellement de jeux qui sortent qu'au bout de 5-6 jours, on passe rapidement à autre chose. La hype est sur un autre jeu. Watch Dogs aura battu des records de vente, quasiment la totalité des ventes seront faites la première semaine. Numéro 1. Et on finit cette vidéo, sortie fin 2014, Destiny avait tout pour plaire, un budget important pour son développement, et avait fait du jeu la prochaine valeur sûre à acheter, une future expérience de jeu que personne n'allait oublier dans l'univers du jeu massivement multijoueur avec des éléments de RPG. Bungie et Activision ont fait en sorte que tous les gamers de la planète sachent que Destiny allait sortir grâce à un marketing impressionnant. En présence était partout. Malheureusement, le jeu sera pas mal critiqué, et non pas que c'était mauvais, mais seulement moyen, du déjà vu et du répétitif. Tout ça ne suffit pas aux joueurs pour en faire un bon jeu qu'on achète volontiers à 60 boules. Depuis, des DLC et des extensions sont apparus, mais ça ne change fondamentalement pas trop le jeu. Alors on voit bien grâce à ce top 10 que les développeurs et surtout les éditeurs n'ont aucun scrupule à faire monter la sauce autour d'un jeu, quitte à mentir aux joueurs et aux futurs acheteurs. En général, on leur fait plutôt confiance, on croit aux images que l'on voit dans les trailers. Mais attention, tout ceci s'appelle marketing et tout est fait pour transformer ce dont on en a rien à foutre en besoin, créer une envie, avoir le jeu parce que tout le monde en parle, c'est la hype. Le but, comme je l'ai dit, est de vendre le plus possible ces jeux dans les premiers jours de leur commercialisation. C'est aussi pour ça que l'on voit de plus en plus d'offres à la précommande, des offres souvent sans intérêt avec des bonus virtuels sans intérêt non plus. Le but est de vendre un max avant que les critiques ne fusent sur internet, les journalistes spécialisés, certains youtubeurs sont déjà en passe d'être achetés pour avoir des avis en concordance avec ce que veulent transmettre les éditeurs, ça correspond à leur stratégie marketing. Il n'y a donc que les indés de la critique, les youtubeurs moins achetables, les sites spécialisés qui n'ont aucun intérêt à vanter un jeu, loin des strass et des paillettes des soirées de lancement, des voyages payés en Corse, des clés d'activation gratos, bref, attention à la poudre aux yeux, la hype ne signifie pas toujours qu'un jeu soit bon. Justement, il faut garder en tête que si on met le paquet en marketing, c'est qu'on doute un petit peu de son jeu, s'il est hypé, autant s'en méfier comme de la peste. Bien sûr, tout ceci n'est que mon avis personnel, je m'excuse de l'avoir partagé avec vous. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à partager votre avis sur la question, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !